La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, le garçon sauvage, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Valentina Kika de Payot Libraire. Bonjour Valentina. Bonjour. C'est une histoire vraie, celle de l'auteur. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un jeune auteur italien qui a déjà publié beaucoup de livres en Italie. Il n'est pas très connu en Suisse. Et là, il raconte en fait comment, après un passage à vide, il décide subitement de suivre un peu l'exemple des auteurs qu'il aime et de s'isoler à la montagne. Donc il va louer un chalet. Retrouver un peu cette ambiance qu'il connaissait déjà de son enfance quand en été ses parents et lui allaient passer justement les vacances d'été à la montagne. Alors ça va pas se passer tout à fait comme il le pensait, parce qu'à la base il veut s'isoler, il veut se retrouver, même peut-être changer en fait complètement de ce qu'il est à ce moment-là. Et en fait, il va se rendre compte que même si c'est pas tout à fait la même ambiance qu'en ville, il a quand même des difficultés à dormir parce qu'il y a des bruits bizarres, et qu'il ressent quand même un peu les effets de la solitude. Et donc, il va se lier d'amitié avec des paysans qui sont montés à l'alpage. Il va avoir comme une sorte de vie sociale avec ses paysans. Mais petit à petit, il va essayer quand même de s'isoler encore un peu plus. Il va passer quelque temps dans un refuge, et là il sera confronté en fait avec la nature, avec le côté sauvage de la nature, et en fin de compte il se rend compte que voilà, il n'a pas changé, mais qu'il a une autre vision de... Et peut-être qu'il s'est retrouvé d'une certaine façon. Merci beaucoup Valentina. Un livre donc qui vous permettra de vous évader, mais peut-être également de vous retrouver. Marc Page, c'est terminé pour l'instant. Mais vous le savez, nous reviendrons très vite avec d'autres livres à vous présenter, peut-être même dès demain. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et Notre Temps Vivre Bien, Vivre Mieux vous ont présenté Marc Page.